dimanche, lorsque Chambas là, t'es fini rejeter déclaration politique générale Premier ministre Fritz Jean, moi t'ai initié des consultations avec les deux présidents des deux chambres et avec les blocs représentés dans les deux chambres, que ce soit le bloc majoritaire et minoritaire à la Chambre des députés, le bloc majoritaire et minoritaire au Sénat de la République. Et autour de ces consultations, que Tevin gagne deux possibilités sous table. Youn là-dedans, c'était choisi, youn dans trois premiers ministres qui étaient sous liste de consultation générale que j'ai fait il y a 4 semaines. C'est-à-dire que les sénateurs, les parlementaires, ils ont fait des déclarations publiques, à savoir que ils n'ont pas favorable à l'économiste Fritz Jean comme premier ministre, mais ils ont dit, quel que soit Moon, quel que soit l'autre premier ministre que ont choisi, sous liste 3 qui était dans 8 qui est sorti dans la consultation, ils ont été prêts pour ratifier. À partir de dimanche, que nous avons rencontré avec deux présidents pour nous faire consultation, les deux présidents sont retournés dans leurs assemblées respectives et les blocs parlementaires ont vu ouvrir la possibilité, puisque le gouvernement qui a été formé, son gouvernement de consensus, il a dit même à l'intérieur de ce gouvernement, nous sommes capables encore d'ouvrir pour nous choisir un premier ministre qui a fait consensus de tous les blocs représentés au Parlement. C'est ainsi, après maintes discussions, à Soya, nous arrivons de commun accord entre les blocs parlementaires. Alors, Mdaka dit que réponse que les deux présidents joignent de leurs blocs respectifs et que les plus facile pour dégager une majorité pour Enek Jean-Charles, qui est actuel secrétaire général du Conseil des ministres, qui est à venir dans les prochains jours comme le nouveau premier ministre. Donc, à partir de cette consultation que nous sommes fait là, moi, en mesure. Pour m'annoncer nation, hein, que le citoyen Enek Jean-Charles est nommé premier ministre et est en ce sens autorisé à former un nouveau gouvernement de façon à pouvoir se présenter au moment opportun par devant les deux chambres en vue du vote de sa déclaration de politique générale. C'est cette nouvelle que m'taka pour peuple haïtien, on me dit que avec la volonté, avec de l'engagement, avec m'taka dit possibilité que pour tout le monde qui est autour d'une table, nous t'a souhaité que d'ici demain, jeudi, vendredi et lundi, pays a gagné en tête li un nouveau gouvernement qui va commencer à affronter les vrais défis, parmi lesquels la formation du Conseil électoral provisoire qui va être chargé de la relance du processus électoral. Je remercie nous que nous t'ayons été aussi tard avec nous pour nous permettre à travers nous-mêmes de communiquer information à la population. Après la consultation avec le président de la République, en commun accord avec le président de la Chambre des députés. Et le président a écrit une lettre au niveau Sénat pour être capable d'entrer en consultation avec lui. Immédiatement, moi, j'ai été contacté le président des deux blocs, président et groupe 9 là, qui est sénateur au nom de lui, et président groupe majoritaire là, c'est sénateur Nenel Kassi, pour nous entendre nous sur qui choix on a fait sur la question du Premier ministre. Et où qu'on est, et Chambre des députés en lui-même été rejeté, choix économiste Fritz Jean comme Premier ministre. Et nous avons entendu parmi les noms qui étaient dans la liste, qui est Premier ministrable. Il était là-dedans plusieurs noms. Mais nous avons entendu tout parmi les membres, parmi les ministres qui étaient proposés pour qu'ils viennent faire partie du gouvernement Fritz Jean et privé là. Et nous avons entendu sous choix Enek Jean-Charles, qui est actuel secrétaire général du Conseil des ministres. Effectivement, après discussion avec le président, avec le président de la Chambre des députés, nous entendons pour que nous choisissions Enek Jean-Charles. Il faut qu'un premier ministre qui choisit parmi les partis politiques non seulement représentés au Parlement et les partis politiques non représentés au Parlement. Au niveau du Parlement, il y a environ 20 partis politiques représentés au Parlement. Estime que son choix qui reflétait et la configuration politique du Parlement et il reflétait tout la configuration politique et des partis politiques en Haïti. Ou qu'on est loi sur parti politique là, dit immédiatement parti politique fait 0% li pas représenté au Parlement, faut que couper financement. C'est-à-dire immédiatement parti politique représenté au Parlement, il fait partie du gouvernement. Parce que consensus ça a trouvé et ça a permis que nous-mêmes nous débloquer pays, ça a permis nous aller vers l'avant et pour que nous-mêmes
nous avancer avec Accord, qui c'est principal objectif, la poursuite du processus électoral. C'est point fort Accord. Et je pense que même les délais de 120 jours, nous sommes capables d'arriver 14 mai, mettre un président, mais dans les délais et dans le processus, ça a déjà en branle. Et immédiatement, le processus en branle, nous n'avons pas de problème. C'est calendrier. Conseil électoral là qui parle déterminer un calendrier pour que le processus avance. Nous estimons que nous-mêmes, au niveau du Sénat de la République, et de manière et rapide et célère, nous parlons le travail pour que nous-mêmes, nous bayons un vote de confiance par le Premier ministre qui trouvait à travers un consensus entre les différents blocs au niveau du Parlement haïtien. En soi, moi-même avec le vice-président du Sénat, qui est le président AI et du Sénat de la République, et le président de la République, M. Jocelyn Brivert. Donc, nous sommes venus pour nous. Selon l'article 149, que pour nous devenir une consultation sur éventuel Premier ministre. Maintenant, pour le président, communiquez-nous non Premier ministre, qui c'est M. Maître Enek Jean-Charles, qui est normalement choisi par le président. Et moi-même, comme président de la Chambre des députés, j'ai été d'abord consulté bloc déjà, que nous parlons avec eux. Et maintenant, nous avons une configuration, et le président, tout le temps, consulté bloc. Et l'idée du président fait nous connaître que c'est l'essentiel pour lui, c'est qu'on Premier ministre et bloc qu'on a niveau Parlement, APH, GPEP et GPI, ils ont entendu déjà pour qu'on Premier ministre. Mais maintenant, est-ce que maintenant, Enek Jean-Charles peut faire l'unanimité de Mbarakone? Mais cependant, il faut que nous avons une consultation qui est faite avec bloc, mais bloc même est déjà conscient de la situation et a fait ce qu'il doit faire pour que d'ici la semaine prochaine, dans le deal, pour payer un gouvernement. Et nous disons qu'il y a encore une entente, 48 heures toujours capable suffit pour nous mettre un gouvernement. C'est ça que nous dit la dernière fois. Et nous pensons que si y a encore une entente là, donc volontaire là, le député va faire ça ou de faire pour que, s'il faut, si Enek Jean-Charles lui-même les réunit les conditions pour le Premier ministre, et nous pensons que le député ne va pas faire, comme c'est toujours le cas, il fait marchandage, mais il fait ça, là, il va demander de faire. Maintenant, à partir de demain, nous avons invité le Premier ministre et Nouméa pour venir faire dépôt de pièces. Et puis pour nous capables automatiquement former une commission. Et la commission elle-même a fait un rapport qui va peut-être demander quand même une accélération pour que d'ici, mais d'ici ce matin, s'il faut nous inviter le Premier ministre à venir faire déclaration de énoncer des déclarations politiques générales, nous avons invité le Premier ministre à venir faire déclaration politique générale.